Bon, la prochaine chanson, on a une qui nous a dédié. Qui se sont réunis ce soir avec nous pour marquer la création d'un Tiers Polynésien, le mouvement politique qui va rassembler les Polynésiens. Nous avons tous décidé de baisser nos drapeaux, de nous rassembler, et aujourd'hui c'est une promesse qui a été tenue puisque c'était un premier engagement que nous avions pris lors de la conférence de presse du 31 juin. Vous avez encore beaucoup de cartes dans la manche, vous avez le face-à-face à Polynésie privée, au moins une semaine avant le premier tour, c'est confiant. Une semaine très médiatique qui nous attend, et effectivement l'enjeu est majeur, et je souhaite profiter de cette semaine pour convaincre notamment les indécis et la majorité silencieuse qu'il y a autre chose qui peut se faire dans notre pays. On n'est pas obligé de voter pour l'un parce qu'on ne veut plus voir l'autre. Je pense que ces deux leaders doivent accepter de céder la place aujourd'hui. Il faut que l'on écrive une nouvelle page de notre histoire et il faut qu'on se tourne vers l'avant. Et c'est le message de Atia Polynétia. Une des plus grandes craintes reste l'abstentionnisme. Est-ce que vous avez un mot à dire aux abstentionnistes pour qu'ils viennent voter? Mais je veux leur dire ce soir que nous tenons nos engagements et qu'il y a donc une autre voie possible que les deux blocs, parce que beaucoup abstentionnistes avaient décidé de ne pas aller voter parce qu'ils ne veulent plus voter pour les anciens partis. Eh bien nous, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes prêts à relever le défi avec une équipe expérimentée, une équipe compétente et puis des tavanas qui sont proches de la population et de nouveaux visages puisque nous avons 41 personnes de la société civile, des jeunes, des moins jeunes qui veulent se lever avec nous. Est-ce que vous avez l'impression d'un mouvement de masse en faveur d'Atia Polynésia? Il y a une lame de fond et le rendez-vous nous lui donnons le 21 avril dans les urnes. Cette lame de fond risque de créer des surprises, moi j'en suis sûr en tout cas.